C'est ici, à Boulogne, que le général Pershing a, en foulant le sol français, le sol boulonnais, en quelque sorte illustré l'entrée en guerre des États-Unis dans ce conflit qui devenait par là même un conflit mondial. Il était important donc que nous puissions à la fois nous associer à ces cérémonies du centenaire qui étaient engagées par le pays, par la France, que Boulogne soit à la hauteur de ce qui fut il y a un siècle un moment historique, qui était un moment certes qui montre l'enjeu par le débarquement, l'organisation, la mobilisation des Boulonnais, du port, des infrastructures, des chantiers navals, du blocage maritime, et qui a donné un autre sens, un autre tour à l'histoire. Le général Pershing, lorsqu'il débarque, est un homme seul. Il n'a pas d'armée. Il n'y a pas d'armée à ce moment-là aux États-Unis. Il n'y a pas d'aviation. Ils ont une cinquantaine d'avions, une trentaine de fait en état de voler, à peine une centaine de milliers d'hommes. Ils vont tout construire. Ils auront leur premier tué en septembre 18, en septembre 17, pardon, et finalement 2 millions d'hommes pour s'emparer du saillant de Saint-Mihiel en septembre 14. C'est-à-dire qu'en 10 mois, ils seront capables de passer de rien à 2 millions d'hommes, mais en construisant tout, y compris un impressionnant dispositif logistique en France. Voilà. Et la machine ne s'arrêtera plus. Et aujourd'hui encore, les États-Unis sont impliqués dans la marche du monde. Et cette affaire-là a commencé ici, à Boulogne, le 13 juin 17, par le débarquement d'un général seul, ou quasiment seul. Mais il était le chef du corps expéditionnaire de la déjà toute première puissance économique du monde, ce qui n'est pas rien. Elle allait devenir au fil des siècles la première puissance politique du monde. Et elle l'est encore aujourd'hui. C'était vraiment la première fois quand une force aussi grande des États-Unis était en Europe. Tous les gens de chaque État de nos États-Unis se sont unis pour lutter avec le Français, avec les Britanniques, ici au sol français. Nous sommes très heureux, toute l'équipe des archives municipales et moi-même, de vous accueillir aujourd'hui en ce château où, il y a 100 ans et à peu près 6 heures, le général Pershing passait avec ses hommes. Comme vous allez le découvrir dans l'exposition 1917, le moment Pershing, celui-ci n'est resté qu'à peine 2 heures à Boulogne-sur-Mer, mais 2 heures riches de documentation, riches de photographies, de films que nous vous présentons aujourd'hui, et surtout riches de l'immense espoir qu'amenait cette centaine d'hommes qui débarquaient à Boulogne-sur-Mer. Aussi, nous avons souhaité vous présenter, outre ce moment Pershing, dans quel contexte il se produit, en évoquant tout ce qui a amené les États-Unis à entrer en guerre le 6 avril 1917, et au-delà du 13 juin, dans quelles conditions les armées américaines se sont-elles engagées dans le conflit. Et bien sûr, nous nous sommes également intéressés à Boulogne-sur-Mer, à la perception qu'avaient les Boulonnais de ce pays immense, déjà porteur de l'American Dream, qui étaient les États-Unis et des Américains, ainsi qu'à ce qui est arrivé après le 13 juin, à ce lien important qu'a tissé la ville avec les États-Unis d'Amérique.